Because there are this caravan of salt. It's salty, huh? Bro, it's salt. Yeah, it is salt. Should I take? Bonjour. Il a commencé à pleuvoir très tard. Et j'ai dormi quoi, 2 heures et demie, c'est tout. Là, je suis en route. Je vais aller récupérer une surprise. Et en reportage du roi. Et t'as fait vite. Bah attends, j'avance. Je sais pas si vous reconnaissez, il est pas encore. Mais c'est lui la surprise. Dis-moi que t'es giboussien sans me dire que t'es giboussien. On avait rendez-vous à 7h30. Là il est 8h15. J'ai pris mon petit déj, j'ai pris j'ai mangé pour 6 personnes. Et Abdel est toujours pas là. On attend. On va attendre. Julien est là. D'ailleurs, je vais laisser un statut pour. Je ne sais pas, est-ce que je laisse un statut en vous demandant quelles sont les questions que vous voulez que je lui pose, parce qu'on va passer 24 heures ensemble. Et comme ça, il vous répond. Ou je lui pose moi-même ces questions-là et il me répond. Ou bien il va se la jouer star et il va dire non, il me faut une conférence de presse. Merci. C'est un truc. En présence de Julien Hamet. On commence avec les questions. Donc, gauche. Non, Barry, non. Conférence de presse. Mais on peut poser des questions, non? Non. Conférence de presse. On fait ça sérieux. Allez, comptez avec Barry. Comptez avec moi. Au Goubet, avec Mohamed, un ami koweïtien. Et tout au front là-bas, je vois les turbines. Les nouvelles turbines. Bon, elles ne tournent pas, je pense qu'il faut que quelqu'un les tire pour que ça tourne. Donc, coach. Alors, conférence de presse, Barry. Conférence de presse. Avoir jusqu'à 20, mais j'aurais dit pour 10. Ah des bon? Quartiers, je vais rassembler un. 10 équipes. 10 équipes. Essayez de voir dans la ligue. Championnat U17. U17, 7 ans. 10 équipes, c'est bien. Équipes. C'est bien un terrain comme ça, Portadura, tu penses Ouais, je suis content de voir ce terrain-là. J'ignorais. J'avais vu à Arta. Non, c'est bien, c'est une bonne qualité encore. C'est vrai que maintenant, il va falloir équiper avec des petits buts pour que les gars puissent s'entraîner, jouer dans ce sens-là.
Donc il me dit, le président de la région, qui a défilé dans les buts, c'est bien. Faut équiper un peu pour que le ballon parte pas n'importe où, mais... Ouais. Non, le principal, c'est que là, ils peuvent jouer au foot, ballon au sol, il n'y aura pas de faux rebonds, ils vont pas se blesser, ils vont pas se faire mal. Il y a 10 équipes U17, donc c'est bien pour une ville comme ça. C'est bien pour le développement régional. Non. C'est... Voilà, après, il faut rafraîchir un peu. Mais l'essentiel, c'est le terrain. Un bon terrain, il y a des bons buts. Voilà, c'est l'essentiel. Après, ben voilà, c'est tous les équipements, ça, c'est à la fédération de fournir les ligues. Les ballons, les petits buts, les chasubles, les maillots, tout ça, quoi. Pour qu'ils pratiquent dans de bonnes conditions. Mais je reviendrai. C'est bien. Rendez-vous pris pour ta durée ? Oui, bien sûr, je reviendrai. Championnat, je viendrai voir les petits U17. C'est obligé de faire ça. Vous pouvez ramener votre U17 ici. Oui, on peut faire, ouais, on peut faire un truc comme ça. Ouais. Ça serait sympa d'avoir un camp ici, comme on a dit, quoi. Ta Dura. Oui, bah maintenant que je vois ça, ouais, on peut faire une semaine avec l'équipe nationale. Ouais. On peut faire 4-5 jours. Vous pouvez vous entraîner. Il y a l'équipe des ports qui venait ici pour s'entraîner. Il y a des équipes qui venaient pour s'entraîner. Ils habitaient des où pour des... hein? Ils habitaient où Juste, ils venaient direct. Ok. Et repartaient juste. Non, nous, il faudrait qu'on fasse genre 4-5 jours. Il y aura des apparts. L'équipe nationale, c'est pour ça. Les sponsors, vous entendez, hein, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils restent une semaine, 5 jours, et j'appelle, je vais pas nommer, mais je sais que vous pouvez. Donc je parle de tous les hôtels, tous les restos, etc. Ce serait sympa que l'équipe nationale vienne jouer ici. Et l'entraîneur dit qu'il faudrait bien venir. Donc, L'équipe. L'équipe. Il est en train de vendre son équipe avant de se patouler. C'est normal. Je parle pas de mon champion, le match. Ouais. Vous allez voir, regardez ça là. Je vous dis, capitale et la brousse à Djibouti, c'est. On joue tous le même foot. Voilà. À Djibouti, on joue tous le foot de la rue. Comme vous avez dit dans l'interview. Il n'y a pas d'école de police pour nous. La capitale, elle n'a pas plus d'avantages sur nous. Juste, on dépend de la capitale. Comme ça, on essaie de travailler. Et on attend, tout début, c'est difficile. On est en train de fonder quelque chose. Alors là, on peut faire quelque chose. Même nous, j'ai une école de foot. Ah, j'ai déplacé encore. Le développement du foot du pays, ça passe par le développement... Des infras, non ? Ouais, des écoles régionales, en fait. La France, c'est pareil. Hein. Il y a eu Clairefontaine, et puis après, chaque région a eu son Clairefontaine, c'est-à-dire son centre national de formation. Ouais. D'abord, on va ouvrir l'académie à Djibouti, puis après, il en faudra une à Tadoua, une à Addis Abyei, une à Arta, etc. Et chaque talent régional, si ça se trouve, le meilleur joueur djiboutien, il n'est pas à Djiboutiville. Hein. Oui. Il est peut-être à Tadjoura, le futur, le futur Zidane djiboutien. Donc on est obligé de développer par. Hey, j'ai trouvé mon titre pour la vidéo. Ah bon ? Ouais, c'est bon. كيف جبوتي عاملة معك؟ أنا عبيل محمد المنيس. Okay. Je suis Kuwaitien. I've been coming to Djibouti for the past 7-8 years. أول حاجة أحب أقولها اسمحوا لي في العربي أطيب شعب. يعني تحس نفسك في بلدك الثاني. الترحيب وكل واحد يعزمك. وانت اخ كريم يعني ما اعرفه ترى صار لي يوم اقل من 24 ساعه حبيبي وخدمني اكثر من خدمه اصدقاء واخوان فكل التوفيق لك ان شاء الله وانا صراحه اتمنى ان اكثر ناس تجي تشوف هذه الدوله الجميله صراحه بجوها بشعبها في ناسها الله يحفظكم يا رب كيف تجرى ولا تجرى طبعا يعني ما توقعتها السمبل نيتشر لايف حسيتها يعني تعطيك الريلاكسيون مثل ما يقولوا في الفرنسي كيف الفرنسي حلو قلت لك تعلم يعني فتحس نفسك
كيف أقول لك الفريش اير الطبيعة السيمبل لايف حتى الناس تشوف بالتراديشن القديم اللي يعزمك على البيت اللي يرحب فيك مش اللي بالسيتيز هذه اللي تشوفها يعني وإن شاء الله يا رب تأخذنا على موشا آيلاند سون إن شاء الله تأخذنا على منطقة ثانية غير اللي قلت لي عليها يا رب إن شاء الله إن شاء الله ولنا زيارات إن شاء الله كثيرة إن شاء الله وأشوفك في نوفمبر إن شاء الله yeah. حبيبي yeah. بارتو حبيب. رح نشوفه Thank إن شاء you. الله Thank you. Mohamed il est ici pour une visite pour une visite amicale etc. Hier matin je vais au camp pour prendre un café avec un ami. Je rencontre Abdi là-bas comme par hasard et en attendant que mon ami arrive bah, j'ai pris un café avec lui et Mohamed parce que Mohamed c'est le pote Abdi. À un moment dans la conversation, il nous dit il y a des montagnes là-bas, c'est quoi? Et on lui dit c'est Tadjoura et après directement c'est ouais, c'est une ville. J'ai dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas un tour là-bas? Et la sortie s'est décidée comme ça, partir à Tadjoura pour faire visiter Mohamed. Et j'ai appelé donc Julien, je lui ai dit écoute, où t'es sur le terrain au Stade Bouled, où t'es sur le terrain de la Fédé, où t'es en voyage? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que t'es à Djibouti, t'as jamais visité je Paris. Il me dit bah j'ai fait que Ali Sabier et je l'ai fait en voiture pour aller regarder un match de foot. Je lui ai dit bah écoute, on y va tous ensemble, on sort. Et ça nous permettra de nous changer les idées après ces 3 semaines très lourdes. Hein. C'est décidé sur un coup de tête. Et j'ai rencontré Mohamed, cet homme super sympa, funny, ouvert d'esprit. Julien, je pense l'avoir mieux connu ces dernières 24 heures parce que tu vois le côté humain, tu ne vois plus le côté professionnel de la personne. Et la personne se lâche, discute, rigole. Je pense que ce que j'ai appris de ce voyage-là, c'est surtout l'aventure en fait. C'est juste décider de partir et partir. Décider de visiter Djibouti et hop, on sort et on y va. Et c'est pas la première fois que je vous parle de ça, c'est pas la première fois que je parle du fait qu'il faut sortir, qu'il faut aller voir, qu'il faut visiter, qu'il faut. Est-ce que ce qui était malheureux, c'est en arrivant ici, les gros camions, tu sais, qui descendent du port Tadjoura vers l'Éthiopie, et les routes ont été dégradées, c'est sur le dernier tronçon vers Tadjoura, et c'était très fatigant. Et voilà, donc là, on a pratiquement terminé. On a passé une très bonne 24 heures au golf. La bouffe, magnifique. On devait aller ce matin au Sable Blanc, mais votre ami a dormi, donc j'ai pénalisé tout le monde. Ils ont la haine. Ils n'ont pas voulu me réveiller en même temps. Ils avaient accès à la chambre, donc je ne comprends pas. Hadj. Et voilà, quoi. Et nous sommes à combien sur le décompte de Julien et ses trucs de ouais conférence de presse. Parce qu'il veut reprendre aucune question. Bon, les plus intelligents d'entre vous comprendront pourquoi ce qu'il dit conférence de presse. Thank you so much, ya habibi, for the lunch. Tell him to for the invitation. Tell him the big boss, answer, yeah. Mohamed, mon ami, je suis Kuwaitien. Mon ami, right? Mon ami. Mon ami is the best coach in Djibouti. Yeah. Hope to see him soon. Inshallah, with a very positive. Maybe we meet at the press conference. Yeah, of course. I'm here there for you. I'm your bodyguard. Même ça. Yeah. See how beautiful it is. Nice, breeze. I think in winter time is better, no? Yeah, definitely, yeah. Yeah. On voit la, tu vois la différence de couleur. Ouais. De l'eau. Difference of color. The white. Yeah. You see that white. After it's more deep. Deeper. The day we're leaving now starts freezing. Fuck. Coach. Ouais. Coach. Amour. Non, seulement conférence de presse. Même hier, ma mère m'a demandé de lui parler. J'ai dit conférence de presse. Sur la table là-bas. Ouais, mon téléphone. Ouais.
Tu sais, la caméra est en train de tourner au cas où tu veux t'asseoir et discuter avec. Elle est en train de tourner avec le micro allumé. Ah d'accord, ouais. Je vais parler tout seul. Non, pour non, pas comme toi quand tu dors. Tu fais des débats assez nous, Zemmour, là. T'es sérieux? Mais oui. Barik parlait avec Monsieur Rifki. Je dis bon, je le laisse, je vais pas réveiller ça parce que non, là le débat est trop. Bien sûr. Mais je t'entendais même pas, je te jure. Bah ouais, mais parce que moi j'étais en mode espion, tu vois. Discret, discret. Mais toi par contre, pas trop. Même les gens à côté, ils sont partis tellement ils ont eu peur. Non, mais sérieux, sérieux, sérieux. Je te jure que c'est vrai que tu parlais tout seul. Et je disais quoi? J'ai pas distingué. Comme tu parles 3 ou 4 langues. Peut-être tu posais la question en arabe, tu répondais en somali, je sais pas. Je suis vite barré. Il m'inquiète. Depuis tout à l'heure, il me dit t'étais en train de parler. On a partagé la même chambre. Il me dit t'étais en train de parler. Et j'ai pensé qu'il rigolait. Et là, le mec, il est sérieux. Bon, pas de secret d'état aussi, non? Tant mieux, parce que. De ce que t'as dit. Ouais. Bon, tu penses que t'es l'école nucléaire? On est bon, si c'est que ça, on est bon. طبعا نحب نعلمكم في سائقنا الجديد. سائقي دائما متاخر علي يعني. شوفوا يعني ما اخذ راحته يشرب ريد بول ولا كانه يا اخي وينك انت متاخر علينا هذا سائق الجديد. مسيو ابو عزام. You know, do you know that you are with me? Right in my car. Right in the middle. Yeah. See, that's the good about Djiboutian. Always they make joke. Abdi. In the middle of the mountain of the Jura. I will just stop my car. I will throw you. Abdi. Yeah. La sortie, la décision de partir comme ça, c'est quoi? Ah bah écoute, c'est magnifique. Le fait d'improviser, c'est la meilleure chose. Et on apprécie mieux d'ailleurs. Le fait de planifier. Ouais. C'est pas moi ça. Ça c'est ma femme. Ouais. Donc plus tu planifies, plus tu y réfléchis, plus le plan est mort. Donc, c'est ça. C'est bien de faire juste un coup de tête comme ça. That's the best. Ouais, se vider la tête. Bah écoutez, c'était une très belle sortie. Là on va encore conduire. Et c'est juste magnifique. Merci les gars. Okay. Tchuss. Donc c'est exactement ce que je disais. C'est voilà quoi, sortir et ne rien planifier, tu vois. Et c'est toujours, ce sont les meilleurs moments. Allez. Coach. Ouais. Un mot sur ce qui doit être dit, etc. Ouais, la conférence de presse. Désolé. Coach. Ouais, je suis à la recherche de la conférence de presse. C'est en Djibouti. You can see the lovers and you can see the single guys. See the single guys always sad. Yeah. And the lovers always hand to hand, hand in hand. Yeah, shaking hands, mashallah. Ah. And you can see the guy behind the camera. he's a single guy also with us. No, bro. It's a single married guy. I'm really married, that's huh? What I told you. Animal. Yes, that's what I what? Told you. What? Yeah, nah. When I hyena? Heard the sound, you know. Ou bien chacal, bien hyène. C'est un chat, ça, non? Non, non, hein? non, c'est pas un chat. Alors, en tout cas, je sais pas si c'est pas un canard. Bah! Yeah. The pose is big, hein? Yeah. C'est quoi ça? C'est en Australie, il y a des chiens super dangereux, là. Comment ils s'appellent? Des chiens sauvages là, tu vois pas? Ça s'appelle des chiens sauvages. Non. Je mettrai les chaises ici avec les micros, hein, comme ça. Bienvenue à la conférence de presse du Lac Assal. Parfait ici. Il y a des billes de sel là-bas. Ouais. T'as vu? Ouais. C'est in your lifetime. This is one life chance. What? This is one only your one chance lifetime that you see such things, you know? Mm. These things you don't see it every day. It's very worth it. Yeah. See, there's a camel here coming. It's a camel? Where? It's a camel over there. Straight. It's a camel or it's just a human? No, it's a camel. You sure? Yeah.
Because there are this caravan of salt. It's salty, huh? Bro, it's salt. It is salt. Should I take... I wish everybody can see this, you know? It's a different feeling that you see it and in reality. Right? In picture, yeah. It's totally different. Different thing. Yeah. You experience it, you feel it. Mm. Like you see your eyes is better than you see it like... Yeah. On a video or on camera or on photo or something like this, yeah. Coach, combien de fois tu penses tu as répété le mot conférence de presse en 36 heures? Je sais pas, peut-être 10 fois. S'il a raison, vous mettez, vous partagez. S'il a tort, vous mettez un pouce bleu. Ok? Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça.